Allez-y. Merci. Merci. C'est bon, on respire un peu. On va un verre d'eau. Franck, tu veux un peu d'eau ? Ça va aller ? On va vous accompagner là, on va vous asseoir. Gardez le verre d'eau, ça sent pas bien. Ouais, pas bien. Et puis ça aussi, parce que vous êtes très belle dessus, comme d'hab, de toute façon, même en réalité, vous êtes géniale. Vous... Puis puisque l'important, c'est la vie, comme vous dites, c'est génial. Je vous adore. Merci. Vous lisez, c'est important. D'accord. Merci. Soyez heureux, je vous adore. Je suis Emilien. Merci, Emilien. Pas en fait. Mais non, c'est dans ça que j'ai fait passer la grosse trop fort. C'est drôle, j'ai envie de m'acheter un pyjama confortable, faire un chocolat chaud, me mettre au lit, c'est drôle. Là, j'ai envie de ça. J'ai envie d'un truc. Il y a 2-3 moments qui m'ont vachement. Qui m'a dit je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Moi, quand j'ai dit ça un jour à quelqu'un, Dieu sait que je le pensais, je l'ai pas dit à tout le monde. Ça va, Yo ? Hein, pleure pas, hein. Tiens, mon grand, voilà, je suis là. Hein ? Ça va aller, tu fais gaffe là, avec ton. C'est quoi, une trottinette totale, hein ? Tu fais gaffe, hein. Hein ? Allez, merci, hein. Merci. Salut. Allez, pleure pas. Ça, c'est un sujet. Tu vois, il a suivi. Hein ? Il est fatigué, hein. Ah, ça tue, ça.
chemise qui chauffe, je respire de l'air sulfureux, de l'air chaud. C'est extraordinaire et en même temps j'ai un vent froid qui vient à ma droite. C'est quand même le paradoxe est quand même exceptionnel, enfin, je trouve. Quoi. Cette chaleur et en même temps cette hauteur, cette montagne, la mer à l'autre bout. Et moi je sais que je suis très bizarre parce que j'ai un lien direct de par ma maman qui est cette terre-ci. Et puis mon papa qui vient du froid, quoi, qui vient de la frontière hollandaise en Belgique, où il y a des rivières de glace. Et j'ai vraiment les deux dans ma personnalité. Oui, je crois que j'ai cette énergie-là en moi. Mais je crois que j'ai eu souvent peur. J'ai eu souvent peur d'être moi. Parce que je suis pas forcément quelqu'un qui est vachement sûr d'elle. Je suis plutôt inverse. Donc quand tu sens une énergie forte comme ça en toi et qu'en même temps tu sais qu'il y a des gens que ça dérange et d'autres gens qui voudraient te voir être un peu autrement dans certaines circonstances, tu t'attaches à cette urgence de faire plaisir et d'être aimé. Et donc tu altères profondément ce qui est toi, ce qui est en toi, inconsciemment. Et puis un jour à l'âge de 30 ans, ça te ressort comme ce volcan qui s'est ouvert en 18 000 branches et qui s'est mis à couler rouge de partout. Et tu peux plus, quoi, tu peux plus retenir cette chose qui est à toi et qui t'appartient. Et même si elle n'est pas jugée de la bonne manière, dans le sens où elle est jugée, tu sais, toujours négativement. Toi. Ah ouais, mais elle est trop passionnée, elle est trop machin. C'est pas possible, il faut pouvoir être tempéré, discret et accepter qu'on ait les faiblesses. Moi j'ai toujours combattu le fait que j'en avais aujourd'hui. Aujourd'hui je les connais. Et je les vis. Bella la papa. È una bambina, perché era per me bambina. Sì, ci avevo detto. Laura, vieni. Maria è bambina. Sì. Avete visto com'è bella? Lei è bambina. Chi la vuole una ciliegina? Poi dopo te lo spiego. Allora prendila, amore mio. Prendi. Anche io una. Ma certo, ma io in effetti ho detto chi la vuole mangio? Una ciliegina. Tocca. Chi va? Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est toute la journée. Salve, un buon spumante. Una doccia, sì, grazie. Je suis convaincue que ailleurs, ce sentiment absolu d'aimer, qui nous rend les êtres humains que nous sommes, peut ne jamais se terminer. Faire l'amour est une des portes vers cette notion d'infini. Dans l'expression la plus absolue que j'ai eu d'aimer un jour dans ma vie, et dans ce moment précis-là, à l'abandon le plus total de moi-même et de l'autre, il y a eu un truc qui ne s'est jamais terminé. C'est ce qui m'a laissé le goût du beau et pas le goût du mal. Voilà. C'est parce que j'ai ce souvenir-là et mon corps a cette conscience-là que je sais que ce beau, ce bon dans l'absolu existe. Et qu'à ce moment-là, le temps n'existe pas. Que je me dis que dans un ailleurs, sans le temps, sans les fils qui nous lient, si ça c'était l'expression infinie de l'amour, alors l'infini existe. L'amour dans l'infini existe. Voilà. Imagine que de deux ne naisse que le meilleur. Que l'un soit pour l'autre un cercle issu d'un cœur. Imagine qu'un galet soit le témoin errant que nous sommes bien passés, que nous sommes bien vivants. Imagine si tu veux que rien ne changera. Je sais qu'on a fait au mieux. Le prochain, lui pourra. Imagine que la loi ne vienne d'une seule croyance, qu'il ne rejette rien, que nos intolérances